Good morgen, Aleiden et Sus, aujourd'hui le Nishmat, Esther Bat Miriam, Rosette Zohara Bat Sultana et Maurice Moshe Ben Sultana. Si vous souhaitez aussi d'aider la prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous avions la Serre Tourine, Perek Zain Mishnahei. Mat Ben Sheben Shtei Chatzerot Gavoa Asarat Fachim. Mervin Shnaim Ven Mervin Echad. Elu Machilin Mikan, Ve Elu Machilin Mikan. It met a teven me Asarat Fachim. Mervin Echad Ven Mervin Shnaim. Mishnah relativement simple, si on la lit, on la traduit, on l'explique en l'état. Le problème, c'est qu'en comparant avec d'autres Mishnahot et d'autres halachot, alors ça complique la donne et il faut faut expliquer qu'on parle d'une situation un petit peu plus particulière. On va d'abord expliquer la Mishnah simplement et on traduit directement. Matben Sheben Shtei Chatzerot, un tas de foin qu'on a entassé. Sheben Shtei Chatzerot qui se trouve entre deux cours. Gavoa Asarat Fachim, il a une hauteur d'au moins 10 tefach. Alors la Mishnah me dit, Mervin Shnaim ven Mervin Echad. Il faudra faire deux Eruv distincts et pas un seul Eruv. Je rappelle, tout le sujet de ce chapitre, c'est à savoir lorsqu'on a deux cours mitoyennes, apparemment deux propriétés, dans quelle situation elles ont le devoir de faire chacune un Eruv indépendant, et elles ne peuvent pas s'associer ensemble. Dans quelle situation, au contraire, elles ont l'obligation de s'associer tous ensemble, elles ne peuvent pas décider de faire bande à part des deux côtés, parce que concrètement, vous n'avez plus de méchitza entre vous. Et il y a une situation un petit peu intermédiaire, où elles sont considérées comme deux cours, parce qu'il y a un mur, mais il y a aussi une sorte de porte, ou parfois ça peut être même un pont entre les deux qui les relie. Et du coup, ça leur laisse la possibilité de faire soit un très grand hérouve entre tout le monde, soit deux hérouves distincts, comme ce qu'on a longuement expliqué dans le Mishnah. Je pense qu'il n'y a plus la peine de tout répéter depuis le début. Maintenant, on va découvrir une nouvelle situation, où en fait, en réalité, on avait une très grande cour, gigantesque, avec 10 habitants, 5 à droite et 5 à gauche. Et puis, on a l'habitude, en fait, chez nous, lorsqu'on fait des meules de foin, on vient, on les met au milieu de la cour. Comme ça, du coup, concrètement, on est séparé entre deux cours. Peu importe si on l'a fait une fois ou si on a l'habitude de le faire constamment, ça change rien. D'accord? Donc, on a maintenant des meules des tas de foin, des murs de foin, en fait, de paille, de foin, entassés, attachés, qui nous séparent. Est-ce qu'on est considéré comme deux cours ou comme une cour? C'est le sujet de la Mishnah. Et la Mishnah me dit, sache que vous êtes considéré comme deux cours. Même si on vous avait une mechitza, une séparation provisoire, apparemment c'est provisoire parce que c'est quelque chose pire que ça, on donne à manger aux animaux, à un moment ça diminue, comme ce qu'on voit dans le sud de la Mishnah. Pour le moment, même avoir fait une mechitza, une séparation provisoire, ben c'est que maintenant vous êtes séparés entre eux. Vous êtes séparés en deux et vous avez le devoir de faire. Vous avez l'unique possibilité de faire chacun un hérouve de son côté, impossibilité de faire un grand hérouve entre vous deux. D'accord? La halakha, elle a l'air claire. Le problème, c'est que ça contredit une Mishnah qu'on a vue vraiment deux Mishnahs en arrière. Ça contredit une petite notion qu'il va falloir expliquer. Maintenant, la Mishnah continue en m'enseignant Elou Ma'achilin Mikan, ve Elou Ma'achilin Mikan. Et mieux que ça maintenant. On a le mur construit entre les deux. Moi, j'ai le droit de laisser mes animaux entrer, manger de ce côté, du foin. Et vous, de l'autre côté, vous amenez vos animaux, vos vaches, votre vache, et elle se met elle aussi à manger. Et puis, c'est pas un problème. Par contre, si toutefois, elles ont tellement mangé que Nitma et Ateven, mais Asarat Fachim, elles ont tellement mangé que maintenant, initialement, on avait fait un mur qui avait une hauteur de 10 Tfachim. Mais le mur, du coup, où elles ont mangé, puis c'est tombé à 8 Tfachim de hauteur. Il s'avère qu'un mur qui a plus 10 Tfachim, c'est plus un mur. Donc maintenant, il y a soit une porte, soit il n'y a plus de mur. Si jamais elle a diminué 10 Tfachim, et sur une largeur, en fait, qui s'étale sur 10 Amot, comme nous le dit le Barthénora, exactement, d'accord, de 10 Amas, donc il s'avère que maintenant elles ont mangé, initialement on avait un mur qui nous séparait, maintenant on n'a plus de mur entre nous. Alors la Mishnah m'enseigne, Mervin Echad, Van Mervin Shnaim. Dans ce cas-là, le mur, il est considéré comme si qu'il est tombé, donc il faudra faire un seul grand Hérouve entre nous tous, et on ne pourra plus faire deux Hérouves parce qu'on n'est plus séparés, selon le même principe. Soit, je récapitule maintenant de manière très brève, on a une séparation provisoire entre nous. Tant qu'elle est là, on est considéré comme deux cours, donc chacun fait son Hérouve indépendant, on ne peut pas s'associer ensemble. Si ce mur-là, en fait, c'est un mur qui est consommable, c'est de la paille, donc du coup les animaux viennent et le mangent, le mur diminue. S'il a diminué au point où il a perdu son statut de mur, il n'a plus une hauteur de 10 tfachim, et sur une longueur de 10 amot, 10 amas, d'accord, donc sur l'équivalent de 5 mètres
on a diminué, on n'est plus à 10 tefach, il s'avère qu'il n'y a plus de mur entre nous. Donc il n'y a plus de mur, on a l'obligation de faire un grand hérouv entre nous tous, on ne peut pas décider de faire chacun son hérouv. Vous voyez? La notion, elle est relativement simple. Ça, pardon, ça demande toutefois 2-3 approfondissements et précisions. D'abord, je commence avec une précision rapportée dans le Barthénora, premièrement, qui nous dit que, tu sais, je t'ai dit que tu laisses ton animal manger, mais tu ne lui donnes pas toi à manger. Toi, tu touches pas le foin. Tu laisses le foin au milieu. Les animaux, tu les fais rentrer. S'ils veulent, ils ont le droit de manger. Mais toi, tu leur donnes pas. Pourquoi? Parce que si toi, tu leur donnes, alors toi, tu vas commencer à en prendre, et à prendre le foin, et naturellement, tu vas prendre beaucoup plus de paille ou de foin, et faire diminuer le mur beaucoup plus vite sans que tu te rendes compte, mais vous allez rentrer dans Shabbat sans hérouf. On ne veut pas arriver à cette situation. Donc tu laisses ta vache entrer ici à la fin, la brioute, qu'elle vienne, qu'elle mange, elle va manger un peu, elle ne va pas manger des masses. Là, si vous avez fait un mur entier de paille, elle ne va pas se mettre à manger des masses. Elle va manger un petit peu, puis après elle va repartir. Alors que si toi tu vas commencer à toucher, tu risques de faire diminuer le mur sans faire attention, et ton hérouf va être invalidé, on ne veut pas que tu l'invalides. Voilà en gros le Barthénois qui nous l'a dit, et officiellement on a terminé la Mishnah. Seulement, ça contredit deux halakhot. Je commence par la deuxième halakha qui va être plus facile, je pense, plus essentielle. Tout d'abord, une précision super importante dans la Mishnah. Il y a une halakha qu'on aura l'occasion de découvrir, donc avec tête encore plus longuement, peut-être je crois, ouais, de manière générale, lorsqu'on a fait un... On avait des conditions de terrain qui nous ont permis de faire un hérouv ensemble. D'une certaine manière. Je donne la généralité. On a fait un hérouv parce que selon les conditions du terrain qu'on avait, on a fait ce qu'il fallait faire. Si pendant Shabbat, le mur change de statut, le terrain change de statut, donc qu'avec le nouveau terrain, le hérouv qu'on a fait devient invalidé, malgré tout, le hérouv qu'on a fait avant Shabbat, il continue à marcher pendant tout Shabbat, même si on n'a plus les conditions requises. Il y a plusieurs situations, positives ou négatives. Soit, on avait par exemple, on avait un cas où il y avait une porte entre nos deux cours. On a deux cours distincts, mais on a une porte entre nous. Donc on a toujours dit qu'on a le droit de faire un hérouv entre nous pour pouvoir porter. Il s'avère que pendant Shabbat, il y a eu une avalanche de pierres qui sont venues, qui ont fermé cette porte. Ils l'ont condamné, on ne peut plus la rouvrir. Malgré tout, le hérouv qu'on a fait avant Shabbat, entre nos deux cours, il continue à fonctionner. Chacun y pourra porter chez soi, et on pourra même porter d'une cour à l'autre en faisant passer au-dessus du mur. Même si, Shabbat prochain, on ne pourra plus refaire de hérouv entre nous en l'état. Parce que le mur est annulé. Mais c'est une règle que si, à l'entrée de Shabbat, à Ben Hashmashot, le hérouv, il a été khal, il a fonctionné, parce qu'il y avait des conditions, on a rempli les conditions requises, si les conditions de terrain changent ensuite, ça reste permis. Inversement, en théorie, on avait deux cours distinctes. Moi, j'habite à la cour de gauche, et vous à la cour de droite. Moi, j'ai fait mon hérouv, et vous avez fait vos deux hérouves. Mais on n'a pas fait de hérouv ensemble, parce qu'on a un mur qui nous sépare. Ce mur s'effondre pendant Shabbat. Shabbat prochain, on ne pourra pas faire chacun son hérouv. On sera obligé de faire un hérouv ensemble, parce que maintenant, il n'y a plus de mur entre nous, on est devenu une seule grande cour. Mais pendant ce Shabbat-là, moi, j'ai fait mon hérouv, vous avez votre hérouv, vous portez dans votre partie, moi, je porte dans ma partie. D'accord? De nouveau, même principe, parce qu'à Ben Hashmashot, le hérouv a fonctionné de la sorte. Après, même si les conditions de terrain changent, ça reste permis. Selon ce principe, alors, il faut expliquer que là, quand je te dis de ne pas faire entrer tes animaux, alors le Roche, il nous précise en fait, il rapporte le partenaire au nom du Roche, je ne vais pas faire entrer tes animaux parce que tes animaux, ils vont manger, ils vont faire diminuer le mur, on ne va pas s'en rendre compte. Attention, on ne parle plus de donner à manger à tes animaux pendant Shabbat, parce que pendant Shabbat, si les animaux, ils vont manger, le mur, il va diminuer, il n'y a rien de grave, ça a déjà été permis avant Shabbat. D'accord? C'était la première précision, donc il faut dire qu'en fait, je t'interdis de mettre... Fait entrer tes animaux, le... Alors il rapporte, même en chol, même pendant la semaine, on n'a pas le droit de venir utiliser ce mur. Je suis assez étonné par la halakha, parce que, bon, juste... comme ça c'est écrit, d'accord? J'ai plus en tête que, comment... Comme ça c'est rapporté ici. Ça c'était la deuxième précision. Troisième précision, qui va devenir plus délicate. Alors là, cette fois-ci, ça va contredire violemment la Mishnah Gimel. Dans la Mishnah Gimel, on avait appris que, lorsqu'on a... Vous savez, c'était l'histoire avec les deux cours, avec la faille entre nous, qui nous sépare. On avait évoqué que si on a bouché cette faille entre nous, donc on est devenu dans une seule surface plate, et ben si tu la bouches avec quelque chose qui est censé rester là-bas, comme du sable, ou comme de la terre, ou comme des cailloux, c'est bien. Mais si tu as mis quelque chose qui est mangeable, par exemple du foin, on avait dit que tu avais amené du foin plein de paille là-dedans, tu as rempli tout le truc avec la paille. Comme ça tu peux marcher aisément, tu peux courir, les enfants ils peuvent jouer, malgré tout, ça annulait pas la faille qui était en dessous. Pourquoi? Parce que quelque chose qui est mangeable, qui est
prédestiné à être retiré de là, eh bien, il ne bouge pas le trou. Ça, tu me l'as dit là-bas. Donc, tu vois que avec une paille, apparemment, tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas un trou. Et là, tu vas avec de la paille, tu construis un mur. Apparemment, c'est la même donnée. Tu vas construire un mur ou tu vas supprimer un mur avec quelque chose qui est consommable et qui va disparaître bientôt. Comment le considérer? On le considère comme, on le considère comme une construction ou bien comme quelque chose de purement accessoire qui ne va pas changer les conditions de terrain? Et on voit qu'il y a une certaine contradiction, qu'en fait, il faut répondre qu'il y a une différence entre construire un mur provisoire, ça prend un statut de mur. Boucher un mur fixe existant, on ne le bouge pas avec du provisoire. C'est la règle qui en découle, d'accord? C'est pour ça qu'il n'y a pas de contradiction. Là-bas, quand je voulais que tu bouches un trou, boucher un trou avec quelque chose qui n'est pas provisoire, ton trou il est encore présent et tu as rejeté dessus du foin. Construire malgré tout une mechitza provisoire, une barrière provisoire, eh ben, ça prend un statut de mechitza pour le moment. D'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha. Kol tov, salam.